Je vais donc vous présenter la maison qui se situe au sentier de Metz numéro 6. C'est une maison qui se situe dans une toute petite rue. Voilà, donc c'est assez calme. Donc vous avez le garage ici en bas et la maison qui est sur tout l'étage ici. Donc au niveau du garage, c'est un garage qui est assez grand. Hein. Voilà. Vous avez la cuve à mazout qui se situe ici. L'emplacement pour mettre machine à laver, sèche-linge, se trouve dans le garage. Il n'y a pas d'accès direct entre la maison et le garage, mais on peut passer par ce petit hall commun parce qu'en fait, l'accès est ouvert pour les locataires d'à côté et la maison qu'on loue. Donc ici, on a la chaudière pour la maison qu'on loue et là, la chaudière pour la maison qui est à côté. Nous allons voir l'intérieur. Donc quand on rentre, on a directement un hall d'entrée avec un escalier qui monte vers l'étage. Nous avons ici directement la première chambre. Elle est très longue. Voilà, et alors on a la vue sur la terrasse de la maison. Ensuite, directement, nous avons la cuisine avec un accès sur la terrasse. Donc, c'est une toute nouvelle cuisine hein, avec plusieurs rangements, un double évier, four, tac et alors un grand frigo. Voilà. Qui n'a encore jamais servi. Et donc, on a l'accès vers la cuisine. Ici, vous avez des volets manuels hein, pour refermer. Ensuite, nous avons le séjour qui est assez grand. Donc, c'est ici qu'on met salle à manger et salon. Il y a un petit renfoncement de ce côté-ci. Voilà. Ensuite, nous arrivons dans le hall de nuit avec la première chambre ici. Qui donne côté rue. La salle de bain. Ici, c'est une toute nouvelle salle de bain, donc avec WC. Vous avez une douche et une baignoire. Et enfin, nous avons la troisième chambre, juste ici. Qui est également assez grande et vous avez l'accès vers la terrasse de ce côté-ci également. Voilà, donc la maison ne dispose pas de jardin mais bien d'une terrasse. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'appeler ou m'envoyer un mail. Au revoir, bonne journée.